J'ai vu un youtubeur qui avait le badge Chester Rose. Apparemment, il faut tuer tous les hommes et laisser passer que les femmes. Ok, bah alors on va tester ça. On va essayer de se faire une game quand même en détectant ensemble. Donc jouez avec moi dans les commentaires les doppelgangers. Si on a bien entendu le long coup, bon bah je vous avoue que j'ai envie de les laisser passer pour avoir la petite animation avec Alf. Déjà on va regarder est-ce que Alf est sur la liste des voisins et est-ce que Angus Cipriani, donc le long coup, est aussi disponible sur la liste des voisins. On va essayer de regarder tout ça. Vous essayez de faire une belle petite game et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la game où je me suis fait virer par le DDD. N'hésitez pas à aller la checker à un moment ou à un autre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, j'aurais tué un voisin et on n'a jamais vu un voisin mourir. Honnêtement, je comprends pas. Il n'y a pas eu de montage sur la vidéo, vous la verrez. C'est assez fou. C'est une liste avec beaucoup de voisins. Je vais me réduire un petit peu pour que vous puissiez voir la liste des voisins une première fois. Donc, on a ici Isaac, Robertski, Pitchman, Anastasia, Selene, Loïs Tinsky, Elenois, Raftonin Capucin et Steven Rudboys. Donc, il y a beaucoup de femmes. Quoique je dis ça, mais il y a 5 et 3. Donc, c'est à peu près équilibré. Par contre, il n'y a pas de Alf Capucin. Alors, on commence ici avec Nasha. Nasha Michaelis. Donc, je vais la laisser passer. Mais elle n'est pas sur la liste. Donc, on va essayer quand même de découvrir des petites choses ensemble. On regarde ici la carte d'identité. 789, 653, 635, 413. DDD, 11, 873. Ok. Bon, le problème qu'il y a, c'est que c'est un doppelganger. C'est clairement un doppelganger. Je vais essayer d'appeler chez elle. Déjà, normalement, elle n'est pas censée être dehors. On va appeler le 24. Et normalement, elle va répondre au téléphone. Le 1346. On va la laisser passer. Apparemment, le petit badge doré jaune que j'ai de Chester qui est juste ici, là, normalement, il devrait se transformer en badge rose, d'après ce que tu m'as dit en commentaire. Et voyez, il y a Nasha qui répond. Mais c'est pas grave, on laisse passer toutes les femmes et on tue tous les hommes. Après, est-ce qu'il y a des versions qui sont, on va dire, androgynes ou double genre et tout? Je sais pas du tout, je crois pas sur le jeu. Il n'y a pas des moments où on ne sait pas parce que c'est toujours lié à un voisin. Donc ici, on laisse passer, mais c'est un doppelganger. Allez. Et si vous avez trouvé pourquoi, dites-le moi en commentaire, bien entendu. Ça me fait plaisir d'avoir des portiers de qualité avec moi. Alors, ici, c'est qui? C'est Selene ou c'est Loïs? Elenois, c'est Elenois. C'est pas Loïs. Normalement, les deux sœurs sont dehors. Donc ça, ça peut être très très drôle d'appeler. On va lui dire qu'il manque sa carte d'identité. Ok, sa carte d'identité. Elenois Schwertz, 845, 323, 014, 956, DDD, 380. Ok. 1980. Ok. Elles vivent normalement, je crois, au 1 quelque chose. Elles vivent ici au 1-4. Donc, c'est le 6-9-9-6 qu'il faut que j'appelle. 6, 9, 9. Excusez-moi. Le gars qui commence à avoir un peu de mal. Ce qui est marrant, c'est dès que je joue au jeu, je me prends toujours mon petit café. Je crois que c'est le rôle du portier. Bah, il n'y a personne qui décroche. Ok, donc personne qui décroche. Donc ça correspond bien ici à la liste des entrées. Les deux sœurs sont dehors. Bon. 845, 323, 014, 956. Ok, Elenois. Pour moi, elle correspond à une voisine. Pour moi, c'est une voisine, je la laisse passer. Peut-être que je peux me tromper. Si vous avez vu un détail, dites-le moi en commentaire, mais je pense pas me tromper sur ce coup-là. Allez, c'est parti. Alors lui, je crois qu'il est sur la liste. Ouais, c'est ça. Robertski Pitchman, il est juste là, à côté d'Isaac Goss et d'Anastasia. Robertski Pitchman, 114, 652, 289, 730. Ok, je regarde le reste. Je regarde ici toutes les informations. Il vit au 1-2. Normalement, il est censé être dehors. Son frère est censé être à la maison. On va appeler. C'est le 2668. 2, 6, 6, 8. Alors attention. Albertski. Et donc son frère. Son frère n'est pas à la maison. Est-ce qu'il est de retour? Non, il se demande pas. C'est marrant ce lien qu'ont les frères et les sœurs, donc les jumelles et Robertski Pitchman et Albertski Pitchman. Ils se demandent pas à chaque fois si Ishibak ou Isibak. Ils le disent pas, ça. Bah pour moi, je pense que c'est le voisin, mais on va devoir le tuer pour essayer d'avoir le badge rose. Bon, après, c'est que cosmétique. Hein.
Les badges, vous savez, ça rapporte rien. On a le petit badge doré ici quand on répond bien aux questions de Chester. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, short et une vidéo longue je crois. Donc si vous avez des problèmes pour trouver les bonnes réponses, bah n'hésitez pas à aller la checker. Et là apparemment on pourrait avoir le petit Chester rose. C'est marrant ce petit easter egg qu'on trouve parfois sur les jeux. Ok. En ce moment j'arrête pas de jouer à Fallout 4, je pense que c'est bien entendu à cause de la série. Il y a plein de easter eggs sur ce jeu. J'adore aller les chercher. En plus, je joue avec des mods. Oh, ok, 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 ok. On a un affamé ici. On va lui parler de son apparence. Ok, il répond pas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'il parle? Non. Il y en a certains, ils parlent pas, puis ils se mettent à parler. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Dis-moi. Aïe, 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 aïe. Il s'est passé quelque chose. Et si je dis que tout va bien, est-ce qu'il... Non, il se passe rien. Il veut pas me répondre. On va appeler le DDD. Non pas parce que c'est un monstre, mais parce que c'est un homme. Allez, ça dégage. Je veux plus voir ces hommes sur ce jeu. En tout cas, pour cette partie. On skip. D'ailleurs, est-ce que le DDD, c'est un homme ou une femme, à votre avis? Dites-moi d'ailleurs vos théories sur le DDD. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo où on captera vos meilleures théories dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Elle est censée être dehors. On a eu Nacha tout à l'heure au téléphone. Nacha, elle a dit « Ma fille est dehors. » Anastasia. Ok, 132, 698, 534, 462. Ok. Je regarde un peu tout. Non, elle vit au 2-4. Hein. Ouais, c'est ça, elle vit au 2-4. Donc, les yeux fatigués, les deux couettes, le petit nez et la tête ronde. Physiquement, pour moi, elle ressemble. Mon ID? Ok, elle voit pas de problème. Bon, on va la laisser passer, parce que c'est une femme. On va dire une jeune fille. Mais, c'est un doppelganger. Je le sais, je vais me faire bouffer. On va se faire bouffer par des femmes. Raftuline Capuchin. Raftuline, elle est bien ici, vous voyez. Par contre, il laisserait peut-être temps de me donner des papiers. Ok, elle avait oublié son ID. Elle avait oublié son entrée request. Je pense que je lui confierai pas mes enfants. Hein. Elle a l'air d'être un petit peu tête en l'air. 2T, 2L, 2P, 2C, 568, 554, 596, 329. Ok, elle est allée voir ses parents. Et au moins, elle s'occupe de ses parents. À moins que ce soit pour aller gratter un peu de thunes. Ou pour aller manger gratuitement. Ça, ça peut être possible aussi. Hein. Ça, c'est le truc de gros rat. Tu vas manger chez tes parents pour ne pas avoir à payer la bouffe. Et peut-être même regarder le câble ou... Enfin, est-ce qu'on peut encore parler du câble aujourd'hui? Il y a vraiment des gens qui payent encore le câble aujourd'hui? On va dire les Canal Plus à la limite. Je sais pas. Pour moi, c'est une voisine. Le 3-4, on peut appeler. Normalement, il y a Alf qui va répondre au 42-58 et qui va me dire que sa femme n'est pas dehors. Il va demander gentiment est-ce qu'elle est de retour et je dirai oui, elle est de retour. Il y a Alf qui répond. Ok, logique. Et sa femme n'est pas à la maison. Ok, game logique pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce qu'elle est de retour? Vous voyez, il est gentil, il demande. Il s'inquiète pour sa femme. Tu sens qu'il y a quelque chose entre eux deux. Il y a une petite connexion. Allez, let's go. Par contre, Alf a l'air d'être petit et Raftuline a l'air d'être très grande. Bah, Isaac Ghost, le BG, bien sûr. Isaac Ghost, vous le voyez pas, il est caché un petit peu derrière, mais je vous ai déjà montré tout à l'heure la liste des voisins. Vous voyez, il est juste ici. Donc, Isaac Ghost, il vit normalement au 2-2. Normalement, il a des gros sourcils, un joli sourire, un grand sourire. Il a un menton qui est bien dessiné, un bonnet qui est bien dessiné, des sourcils, une coiffure gominée. Bref, le BG de 1955, c'est pour ça qu'il vit d'ailleurs tout seul. Je vois énormément de femmes passer avec lui tous les jours et je suis obligé de les recaler. Elles sont pas sur l'entrée request. Alors, peut-être pour une version où il y aura le droit d'avoir des visiteurs. Isaac Goss, 456, 985, 512, 369. Ok, il est reporter. Je pense que c'est un voisin que je vais devoir tuer. Désolé Isaac. C'est pas contre toi, hein. Mais aujourd'hui, ce sera sans toi. Ça dégage. Allez. Qu'est-ce qui va se passer?
J'ai contacté le DDD. D'ailleurs, débat. On me dit, oui, alors arrête de dire DDD, faut dire DDD parce que c'est de l'anglais. Quand je dis DDD, on me dit, faut arrêter de dire DDD parce que c'est, on est en France, faut dire DDD. À un moment, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Non mais c'est quoi? Comment on doit dire? On doit dire DDD? DDD? Je sais pas. À un moment, je vais finir par mettre tranché pour tout le monde. Je vais dire DDD et ce sera parfait. Y a pas quelque chose de bizarre? Il n'y a pas de sourcils. Son entrée request. Ok. On peut pas lui dire qu'il lui manque quelque chose sur son apparence? Ah, on l'a énervé. J'ai oublié le book. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Lui, on l'a eu la dernière fois, mais il s'énervait pas. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu la vidéo. Et là, il s'énerve. Il a enfin les yeux du doppelganger énervé. Ça, c'est un vrai ficello comme on les aime. Ben voilà, énerve-toi. Alors, nouvelle discussion. On va lui dire qu'il y a un problème là-dessus. Comment tu peux t'occuper autant de tes voisins? Ils connaissent très certainement même pas ton nom. Tu risques leur vie pour eux chaque jour. Laisse-moi passer, je sais que tu veux ça. Il a pas l'air d'être content. Honnêtement, je l'aurais bien laissé passer. Mais je suis désolé, il y a un badge rose à aller chercher. Allez, on dégage. Sympa ce petit truc. Sympa ce petit mort. Moi, c'est pour ces petits moments là que je joue. Parce que j'aime bien ces petites animations où on essaie de trouver des petites choses un peu spéciales sur le jeu. Ça dégage. Est-ce qu'on peut récupérer de nouveau Chester une fois qu'on a réussi le badge? Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais revu, donc je pense que non. On peut pas revoir Chester. Peut-être avec le Chester rose, peut-être le faire revenir. Aïe, aïe, aïe. Anastasia Michaelis, 132, 698, 534, 462, 85, DDD. Et si j'appelle le 2-4 en logique, ils vont me dire qu'il y a tout le monde qui est à la maison, là. Là, c'est la fiesta, hein. Il y a deux doppelgangers, normalement, à la maison. Il y a Nasha. Alors, comment ça se passe? Il y a Nasha qui répond. Bon, c'est laquelle? Est-ce que c'est le doppelganger ou pas? Ma fille et moi, on a l'appartement. Et puis, il y a une autre Nasha, mais elle est en train d'être dévorée par nous. Ah, mais... Par contre, je trouve ça bizarre. Donc, c'est des doppelgangers, là, qui répondent potentiellement. Et ils disent... Tu n'attends pas de visiteurs aujourd'hui. Mais si t'es doppelganger, ton but c'est d'avoir des visiteurs pour les bouffer. Je sais pas. Je me pose la question. Est-ce que normalement ils devraient pas dire ah bah si, on attend des visiteurs, faites-les monter. Bon bah Anastasia, je pense que t'es une voisine qui va se faire bouffer. Je sais pas, mais je pense que oui. Mais je veux mon badge rose. Allez, ça part plutôt bien cette game. Assez fun. Steven Rudboys. Est-ce qu'il est sur la liste, Steven Rudboys? Ouais, il est bien sur la liste, il est tout en bas. 565, 845, 455, 965, 266, DDD, DDD, résident, il vit au 3-3. Je crois que c'est ça, hein. Il vit au troisième étage avec son père, 3-3, c'est le 42-42. Je peux appeler, normalement on va avoir son père au téléphone qui va juste me dire « Je suis tranquille ou pépouche chez moi en train de regarder la télé ?» Je pense qu'il regarde Eric. Quoique, est-ce qu'en 55, Derek existait déjà? McCloy? Qui répond? Allez. Son fils n'est pas à la maison. Est-ce qu'il lui demande... Est-ce qu'il est back? Oh, ok! Là, il y a quand même une relation où les deux, ils demandent s'il est de retour. En tout cas, le père s'inquiète pour le fils. Je sais pas si pour Steven, c'est pareil. Ah, je suis désolé, hein, mais non. Hein. Non, non, il est pas de retour. Je l'ai pas vu aujourd'hui, McCloy. Non, non, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il est parti faire une course. Et peut-être qu'il est parti acheter du lait, Steven. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit qu'il allait acheter du lait. C'est ce que je lui dirais maintenant. Si je croise McCloy, je dirais, votre fils est parti chercher du lait. Allez, au prochain. Ok. Loïs, elle est bien sur la liste. On a ici la carte d'identité, 894, 569, 723, 151. Elle est partie voir sa maman. Elle vit avec Roman, normalement. C'est le 1152. Je pense que c'est la voisine. Juste un petit coup d'œil rapide, là. Après, je pourrais approfondir légèrement. Mais en logique, elle n'est pas censée être à l'appartement. Donc, on va checker tout ça.
Roman qui décroche. Logique. Sa femme n'est pas à la maison. Oh, t'inquiète pas, je vais la laisser passer de toute façon. Elle est de retour, ouais ouais, elle est de retour. Physiquement, je pense qu'elle ressemble, hein, dans tous les cas. Elle a le look. En tout cas, elle a le look, baby. Et on laisse passer. Allez. Au prochain. On avait beaucoup de voisins sur la liste, donc ça peut faire potentiellement passer beaucoup de personnes. Bon, Roman, j'espère que t'aimes bien la compagnie. 894, 569, 723, 651, DDD, 69. Il y a forcément une qui est pas bonne. Et on a dit que c'était le 1152. Je vais rappeler. Et là, je vais tomber sur Loïs. C'est possible qu'on tombe sur Loïs directement. Alors ? Ouais, Roman. Voilà, donc elle est rentrée. Elle a été rapide, elle est rentrée. Ils attendent pas de visiteurs. Ok, bah t'inquiète pas. Je t'en envoie une autre. Hop. T'en auras deux. Tu fais ce que tu veux. Si t'as besoin de jouer aux petits chevaux et trois joueurs, c'est toujours plus drôle qu'à deux. Il y a pour plein de jeux de société, finalement. Jouer à trois, c'est mieux, donc... let's go, hein. Selene, elle devait être dehors. On avait appelé au tout début, il n'y avait personne. On a laissé rentrer Elenois. Donc Selene, physiquement, elle ressemble. Elle a bien les petites boucles d'oreilles carrées. Elle est modèle. 1-4. 785, 613, 269, 514. Physiquement, elle ressemble. Pour moi, c'est une voisine. On laisse passer. Si on a dit, on laisse passer toutes les femmes et on bloque les hommes. Il rentre pas. Allez. Gloria. Ah par contre, Gloria, elle est pas sur la liste, hein. Gloria, comment ça se fait que t'es pas sur la liste? 685, 522, 341, 150. Je suis pas sur la liste? Non. Non, tu es pas sur la liste aujourd'hui, Gloria. Je suis désolé de te le dire. Je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de ma gueule? Je vais appeler. Et moi, je dis qu'elle se fout de ma gueule. Moi, je dis qu'elle est avec Arnold. Je suis sûr que t'es avec Arnold. De toute façon, on va dire que j'ai potentiellement une chance sur deux de me tromper. Alors attention, est-ce que je me trompe? Est-ce que Gloria est déjà à l'appartement? C'est Arnold qui décroche, c'est logique pour l'instant. Sa femme est pas à la maison. Je me suis fait baiser, j'ai perdu. Ok, 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 ok. De toute façon, j'allais la laisser passer. Je me suis fait avoir. Ah, ils m'ont eu, ils m'ont eu. Alors, est-ce que ça se ferme? On est tué par un doppelganger, ça on l'avait dit. Je crois que c'est la première fois que je fais un rang C sur le jeu. Parce qu'en général on fait des rangs S ou bien des rangs A. Et on a fait le rang F bien entendu. Donc on a laissé passer 3 doppelgangers, on a capturé 2 doppelgangers, on a tué 3 voisins. Mais je vais pas aller vous montrer les résultats bien entendu pour que vous puissiez jouer dans les commentaires sans tricher. Et on va aller voir si on a débloqué le badge rose. Et voilà, on a débloqué le badge rose, ok. Bon bah non, en fait il est pas rose, je suis désolé. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ou faut laisser passer une game qu'avec des femmes et qu'il n'y a pas d'hommes qui se présentent. Ou bah c'était encore une fake news de la part d'un viewer. Mais si tu veux que j'aille tester quelque chose, fais-le savoir en commentaire. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller checker une de ces deux vidéos sur What's Not My Neighbor. J'ai même fait des vidéos sur d'autres jeux d'horreur, donc n'hésite pas à aller consulter la chaîne. Ciao, ciao!